une ancienne légende raconte qu'il y a bien longtemps de cela, alors que ce monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, des êtres nommés Machin descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. Forger, 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 ça c'est mon métier. Forger, 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 je pourrais faire ça toute la journée. Bonjour, monsieur Smith. Princesse Irma, troisième du jour, quelle surprise! Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule dans mon humble forge. C'est vraiment gentil, ça. Vous voulez apprendre à forger une épée et... Non, mais je veux juste sortir avec Pink. Pink? Pink? Oui, Pink, votre petit-fils. Mais enfin, princesse Irma, je sais que vous êtes en âge de vous trouver un fiancé et que votre père le roi essaie de vous caser avec le premier gus qui apparaît, mais à votre place, je gâcherai pas ma jeunesse avec mon bon rien de petit-fils. Non, mais c'est juste qu'on avait prévu de... Quoi? Vous l'aviez prévu? Princesse Irma, je pensais pas que vous étiez autant dévergondée. C'est sûrement à cause du fait que vous traîniez avec Pink, tout ça. Ce gamin est le plus bizarre de tout Royaume d'Hyrule. Hier encore, je l'ai vu en train de poursuivre un cochon. Je veux voir Pink, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Pink, te voilà. Déjà habillée? Je dors habillée, c'est plus pratique le matin. Je me casse pas la gueule en mettant mon pantalon. La nuit a dû être agitée. Comment ça? T'as vu tes cheveux? J'ai pas réellement l'occasion de les voir souvent, je t'avouerai. On dirait que tu t'es endormie à côté de ton lit. C'est le cas. Hein? J'ai fait un cauchemar, je me suis réveillée en sursaut, je suis tombée, j'ai atterri sur la tête. Du coup, j'ai refait un second cauchemar dans ce second rêve. Quel genre de cauchemar? Le genre où la princesse Irma se fait changer en statue, que des monstres réapparaissent sur la terre d'Hyrule et qu'un sorcier maléfique veut contrôler le monde. Ah, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça, lui? Je vous jure, non. Bah quoi? Laisse tomber, Pink. Oui, laisse tomber. La princesse Irma est venue te chercher pour... Enfin, tu vois ce que vous aviez prévu. Oui. On doit aller à la fête annuelle de la cité. Ah oui, c'est vrai. Pink, ça tombe bien que tu ailles à cette fête. Peux-tu remettre cette épée au ministre du roi? J'ai absolument confiance en toi. Ouais. C'est pas ce que vous aviez dit tout à l'heure. Mais je vous en pose des questions à vous, là, l'ami reine prébulaire, t'es dévergondée. Un jour, vous regretterez ces mots, je peux vous l'assurer. Enfin bref, Pink, allons-y. Je voulais qu'on s'arrête voir des stands, mais vu que ton grand-père nous a pris un quart d'épisode pour nous montrer à quel point il te trouve déplorable, on va pas vraiment avoir le temps. Il faut qu'on aille directement au château pour donner cette épée. Bon bah, à tout à l'heure, papy. Oui, oui, c'est ça, à tout à l'heure. Et faites gaffe à ce que la princesse Irma ne se fasse pas changer en statue, hein. Oh, le con. Oh. Eh bien, j'ai jamais vu les gardes aussi actifs. C'est parce que l'épée que nous transportons est la récompense d'un grand tournoi. Donc, ils préparent la cérémonie de récompense. Ah ouais? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous voyez pas qu'on est débordé? Si, mais... Oh, et j'ai encore perdu mes lunettes, moi. Bref. C'est le château d'Hyrule ici, pas un nightclub pour les connasses blondes en tunique rose fluo et les homosexuels dans des robes longues. Vous voulez ternir la réputation du palais sans doute. Sachez que je vous en donnerai pas l'occasion. Monsieur le ministre, voici vos lunettes. Merci jeune connasse, tu remontes dans mon estime. Si seulement la princesse Irma était aussi aimable que toi et n'allait pas voir ce putain de bouseux de mes deux de Pink. Non mais je vous jure. Enfin bref, merci pour les lunettes. Oh, bah, princesse Irma? Hé hey, Pink, oh, vous tombez bien, je pensais justement du bien de vous deux. J'imagine, oui. Comme d'habitude. Monsieur le ministre, voici l'épée que vous avez commandée à mon grand-père. Mais c'est merveilleux. La cérémonie allait commencer. La cérémonie peut commencer. Enfin, elle commence. Apportez l'épée machin. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Mais pourquoi vous gueulez comme ça? Il n'y a personne à part vous, moi et la princesse. Alors j'en sais rien, moi. Ah bon. Que Sir va-t-il? Vainqueur du tournoi s'avance. Qu'est-ce qu'il lui prend? Bah rien, il montre sa joie d'avoir gagné. Avec un rire démoniaque. Bah oui, pourquoi? C'est assez fréquent. Si vous le dites. C'était trop facile. Voici donc l'épée machin plantée dans le coffre scellé. Et c'est dans ce coffre que se trouve ce que je cherche. Il est à moi maintenant. Honte ténébreuse. Et là, vous faites rien du tout. Mais non, pourquoi? Bah, je sais pas, hein. Le coffre était scellé, il y a sûrement une raison importante. Mmh. Ouvre-toi, coffre scellé! Pink, c'est pas normal. Bah bien sûr que si, le ministre vient de me dire le contraire. Mmh.
Oh, faut tout faire soi-même ici. Et toi, qui es-tu? Pourquoi avoir libéré ces monstres? Je cherche le pouvoir de la lumière, trésor de la famille royale qui brûle. Parce que tu crois que je vais te laisser le prendre? Bien sûr que non, voyons, vous allez simplement rester là sans bouger. Hein? Comment ça? Statue! Non, pas possible! Et voilà, ça vous laisse de mort, ma princesse. Et là, monsieur le ministre, c'est normal? Voyons voir le contenu de ce coffre maintenant. Mais il est vide! Ah, se pourrait-il qu'il nous renfermait des monstres? Cela change rien! Je vais trouver ce pouvoir coûte que coûte! Monsieur le ministre! Monsieur le ministre! Quoi, hein? Vous dormiez? Bah oui, ça fait 2 semaines qu'on prépare cette cérémonie. J'en ai perdu mon sommeil à force. Enfin bref, j'ai raté quelque chose? Bah légèrement, la princesse Irma est changée en statue de marbre et des monstres se sont enfuis de ce coffre scellé qui ne l'est plus par ailleurs. Ah d'accord. Et ça vous choque pas plus que ça? Bah non, la routine habituelle, quoi. Vous connaissez la situation? Oui. Va-t-il lancer à Irma une malédiction? La seule magie qui pourrait la sauver, c'est l'épée des machins. Mais va-t-il la briser en ouvrant le coffre scellé? Pink, voici ta quête. Mais attendez, pourquoi moi? C'est de ta faute, si Irma n'était pas en retard ce matin. Pour une fois que vous auriez pu ne pas être à l'heure, il fallait que ça tombe aujourd'hui. Eh ben voilà, ça y est, je vais me faire engueuler parce que je me suis levé tôt ce matin. Pink, il faut que tu retrouves les machins. Les machins? Mais quels machins? Oui, les machins. Ce sont des créatures pas plus grands qu'un pouce. C'est les créatures mystérieuses que parlait la légende. La légende? Mais quelle légende? La légende qu'on vous apprend à l'école, bougre d'idiot. L'école? Mais quelle école? T'as jamais été à l'école? Bah, je vous avouerai que non, hein. Mon grand-père a cru bon me garder chez lui en tant qu'apprenti forgeron, sauf que moi, c'est pas du tout mon truc. Ouais, enfin, il faut que tu retrouves les machins. Ceux qui ont formé l'épée, ils vivent dans la forêt de Tyrolienne. La forêt tyrolienne? Mais quelle forêt tyrolienne? La forêt à l'est de la cité. Il faut que tu les retrouves pour leur demander de forger une nouvelle épée avec les restes de l'ancienne. Attendez, pourquoi moi? Vous avez vos propres gardes si je m'abuse. Ils pourraient faire ça à ma place. Le seul problème, c'est que ce sont des adultes matures. Et les adultes matures ne peuvent pas voir les machins. Donc il nous faut un gamin dérangé dans ton genre pour accomplir cette mission. Je sais pas si je dois être fier ou mort de honte. Prends cette épée. Tu en auras sûrement besoin. Vous obtenez 2 épées, une neuve et une brisée. Bonne chance à toi, Pink. Merci. Bon, bah, j'y... Pink, attends, je me sens légèrement responsable de ce qui s'est passé, alors s'il te plaît, accepte cette carte en gage de... Je crois qu'il travaille trop. J'imagine, oui. Vous obtenez la carte d'Hyrule. Bon bah, en route vers la forêt. Alors c'est ça une forêt? Oh, papy m'en avait parlé, mais je pensais pas qu'il y aurait autant d'arbres. C'est fou ce qu'on apprend en ne restant pas enfermé chez soi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi, allez, on est violente. C'est bon, vous inquiétez pas, j'arrive, monsieur. Hey, gamin! Quoi? Non, je parle pas à toi, je parle au gros barbu qui écoute cette saga des trois. Ah, d'accord. Mais bien sûr que oui, je parle à toi! Viens me sauver, ces 2 octoroques veulent me faire la peau! J'arrive! Yaha! Et voilà! Ah, merci de m'avoir aidé, jeune homme. Mais franchement, j'aurais pu m'en sortir tout seul, vous savez. Mais enfin, c'est toi qui, Anar, qui m'a dit de... Mais comment osez-vous me traiter de Anna plein tiracos? On voit tout de suite que tu te rends pas compte de qui je suis. Ah bon? Et qui vous êtes? Eh bien, je suis... Excel. Je suis un bonnet vert. Enchanté de faire ta connaissance, gamin. Un bonnet vert? Oui, c'est une nouvelle espèce très rare de canard. C'est assez proche des cols verts. Si vous le dites. Enfin, voilà. Je vais te laisser, hein. Je me rendais vers l'est de cette forêt pour voir les machins. Les machins, vous savez où ils sont? Bah, bien sûr que oui, je suis le génialissime Excel. Je sais tout. Et vous pourriez m'y emmener, je les recherche moi aussi. J'avoue que cela me dérange pas trop. Avec tous ces monstres qui sont soudainement apparus, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée que tu m'accompagnes en tant que garde du corps. Garde du corps? Oui, et pour ce faire... Mais... Je monte sur ta tête. Ne t'inquiète pas, c'est une habitude de mon espèce. Ah, si vous le dites. Bon, c'est pas tout ça, mais avance, va vers l'est. C'est où l'est? Non, parce que moi je connais que chez moi et la cité d'Hyrule. L'est? Bah enfin, c'est devant toi, c'est du côté où le soleil se lève. Ah bon? Ah là là, j'ai franchement l'impression que tu connais pas grand chose de la vie, toi. Bah non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien, c'est très bien, je vais pouvoir mettre plein de choses dans ta tête. Vous allez m'apprendre des trucs? Si on veut, oui. Cool. Et c'est quoi votre petit nom? Eh bien moi, c'est Pink. Je recherche les machins pour réparer l'épée sacrée parce qu'en fait.
N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.